C'est dans ton village que tu as appris ce métier ? Oui. Parce que notre reporter de choc, Camille Saferis, est allé enquêter, donc à Bourg-en-Bresse, et il a découvert que tes proches t'ont pas mal aidé quand même. Ah. Regarde. Ah, j'ai hâte. Laurent, c'est le meilleur. On monte un autre parpaing. Laurent, c'est un artiste, il est très fort. Il empêche des goujons. Au niveau imitation, Laurent Gérard, oh, très mauvais imitateur. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas doué. Parce qu'il n'a pas la voix, il ne sait pas la transformer. Il n'était pas doué pour l'imitation. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'ait pas continué ses études de comptabilité. Par contre, pour la maçonnerie, il aurait pu faire un bon maçon. À Mézéria, 2000 habitants, 2000 imitateurs. C'est la spécialité locale. Alors Laurent Gérard, c'est vraiment pas terrible. On a beaucoup, beaucoup mieux. Nous aussi on imite. Tout le monde imite à Mézéria. Tiens lui, il fait bien le verre de bleu. Hein, vas-y. Bonjour mon gars, comment ça va? Moi je suis le plus fort, c'est pour les bruits. Je vais vous faire la sirène. Tonton, il va vous faire la sirène de police. Moi, ce que j'aime surtout, c'est imiter les chanteurs. À 18 ans, j'ai quitté ma province. En Chirac, je le fais beaucoup mieux que Laurent. Écoutez, je vais vous montrer. Mes chers compatriotes, vive la République et vive la France. Mesdames, messieurs, bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir à l'Élysée. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Mais vous savez, il y en a qui poussent l'imitation très loin. J'en ai vu faire le porte-manteau, la boîte à lettres, la poubelle, la table, les chaises, les fauteuils et même la pompe à essence. Églou, 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 églou. Comment s'explique le phénomène ? Ça, on n'a pas le droit de le dire, hein. Ça fait toujours ça quand on les mange. On ne sait pas pourquoi. Il paraît que c'est dans le croupion. Bonjour, c'est Johnny. C'est très d'imitation, bah... C'est de manger le poulet chez Marinette. Voilà. Colette de Cré. Bonjour, chers amis téléacheteurs. Bonjour, c'est Johnny. Colette de Cré. Poulet de Bresse, défiez-vous des imitations. Merci Camille et merci à tous ces gens. Oh la vache. Est-ce que tu les as tous reconnus? Oui. Oh bah oui, quand même, ouais. Bah oui, mes copains, ma famille, oh la vache, t'as fait bizarre.